Dans ce TP, nous allons essayer de voir comment utiliser REST pour proposer des services web à des clients. Donc, on va essayer de, comme ce qu'on a dit l'autre fois, on aura toujours, lorsqu'on aborde les web services, il va y avoir toujours un client et un fournisseur. Donc, tout ce qu'on a dit par rapport à ça, on peut voir aussi par rapport à REST. Il y a toujours un provider, il y a un client. Donc là, je vais commencer à créer un nouveau projet provider. Voilà, projet web. Je vais l'appeler 01 first project REST provider, notre premier provider, le fournisseur. Là, on est dans la partie fournisseur, la version 3.0. On coche le web.xml. Voilà, un projet. Notre projet il est vide, pratiquement, il est vide. Là, je ferme les autres. Voilà, first, REST, il est vide, contient que le web.xml, bien sûr, etc. On a dit que nous allons utiliser une implémentation proposée par GBoss. Donc, il est indispensable d'avoir le serveur GBoss, puisque les API qu'on va utiliser, on va le voir. Donc, on intègre le GBoss, buildpath, add library. Dans add library, je demande de rajouter le GBoss. Là, voilà, les jars de GBoss, autrement dit. Ok, dans les jars GBoss, vous aurez JAX-RS. Là, c'est l'API qu'on utilise, JAX-RS. JAX-RS, voilà. Elle est là. Et l'implémentation REST qu'on va utiliser, c'est EasyREST. Hein, REST Easy, vous la voyez, REST Easy. Elle est déjà intégrée pour le provider, il est déjà intégré dans le GBoss. Yeah. Maintenant, trois API, nous allons utiliser JAX-RS pour les annotations. L'ensemble des annotations qu'on va utiliser, vous allez le voir, existe dans ce jar. Et l'implémentation pour enregistrer notre web service, pour qu'il soit un web service à l'écoute, nous allons utiliser l'implémentation REST Easy. REST Easy, vous la voyez ici. REST Easy, bien entendu, il se base sur le JAX-RS. Il se base sur le JAX-RS. Alors, voyons voir, bien entendu, lorsque vous cherchez à implémenter, à proposer un service au client, la première chose avec laquelle vous allez commencer, c'est de créer le service. Là, je crée un package pour la couche service. REST intervient principalement dans la couche service. Comme lorsqu'on a dit Hibernate, c'est dans la partie Data Access Object. Maintenant, les web services, c'est les services, la couche service qu'on va proposer à des clients. Et dans la partie cliente, vous aurez la couche présentation de votre projet. Voilà, services. Et on va supposer maintenant que j'ai déjà des. La couche service, on l'avait déjà développée, donc la couche service et la couche Data Access Object, je vais juste les récupérer puisque ils sont déjà développés dans le projet authentification, si vous vous rappelez. Donc je ne les ai pas changés. Donc je prends le Data Access Object, je prends les classes modèles, et dans la partie service, je vais aussi la prendre. Voilà. Pardon, ça c'est pas bien. Là, je récupère la partie DAO, la partie modèle, copie, et puis paste. C'est bien, très très bien. Et maintenant la partie service, on va récupérer l'implémentation et l'interface, pardon, et l'implémentation. Voilà, une erreur de compilation ici, on va voir. Donc c'est les jars de Hibernate, la partie DAO se base sur Hibernate, on va récupérer les jars, voilà, les jars ils sont là. Voilà. Et on met ici les jars. Voilà donc notre projet, il est bien fait. Donc la partie service pour le moment est classique, contient que des méthodes.
Ici, il y a un appel à la partie Data Access Objects. C'est très simple. Là, j'ai rien utilisé par rapport à REST. Maintenant, dans REST, tout ce que vous aurez, ça serait une ressource. Tout ce que vous aurez, ça serait une ressource. Un utilisateur est une ressource, une liste d'utilisateurs est une ressource, un utilisateur ayant un certain nombre de critères est une ressource, tout ce que vous avez dans votre projet est une ressource. Donc je rajoute ici une classe pour proposer les ressources relatives à profil. Une classe simple, je vais l'appeler profile ressources. J'aurai aussi user resource, j'aurai ce que vous voulez, si vous voulez organiser votre projet resources et plusieurs ressources. Voilà. Maintenant, je dis un utilisateur. Ça, je fais deux classes pour nettoyer, pour ne pas mettre les annotations dans la couche service, pour que ça soit une classe à part qui contient les ressources. Si maintenant un utilisateur veut accéder à une ressource relative à profil, obligatoirement, vous allez le voir, devrait spécifier un chemin, comme si je donne à ces ressources ce chemin. Voilà, je dis que ça c'est relatif, c'est les profils, slash profil. Voilà. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que dans REST, on exploite les quatre méthodes HTTP. On peut exploiter la méthode GET, on peut exploiter la méthode POST, on peut exploiter, donc ça c'est GET, on peut exploiter POST, on peut exploiter aussi PUT, et on peut exploiter la méthode DELETE. Alors ce sont des méthodes, quand est-ce qu'on exploite GET? Lorsqu'on cherche à consulter une ressource. Donc la consultation de ressources se fera automatiquement à travers la méthode GET. La méthode POST sera utilisée lorsque vous cherchez à créer une nouvelle ressource. Et la méthode put, elle, il sera créé lorsque vous cherchez à modifier une ressource existante. Ça, ce sont des commentaires juste pour se rappeler. Et les delete, donc c'est des opérations crudes qu'on avait déjà aborder, c'est pour supprimer une ressource. Alors, ces méthodes HTTP seront représentées par des annotations. Là, si je dis get, comme si je dis là, on va utiliser la méthode get. Aussi post, si j'utilise post. Okay. Donc je mettrai ça en commentaire pour le moment. Travaille sur GET pour ne pas traiter les quatre méthodes en parallèle. On traite une méthode par méthode. Ok, voilà GET. GET quoi? Donc si je ne spécifie pas de path, si je ne spécifie pas ici, par exemple, je cherche à consulter la liste des profils. GET profiles. L'ensemble des profils. Get all profiles, voilà une méthode que je crée. Et le type de retour, c'est toujours response. Des méthodes, c'est response. La réponse, on va la construire. Et vous voyez toujours que la réponse est abstraite. Une classe abstraite qui existe dans JAX, WS, RS. RS, ça c'est REST Core. Ok. Voilà. Return. Qu'est-ce qu'on va retourner maintenant? Une liste. Et qui va nous récupérer la liste? C'est la méthode qu'on a déjà développée dans la couche service. Je vais la voir. Find all, c'est une liste que j'ai développée. Il cherche l'ensemble des profils que j'ai dans ma base de données. Donc pour l'appeler, je construis un objet service ici. eProfile. Profile service.
égale new profile service simple. Voilà, ici bien sûr on peut toujours procéder par injection, comme ce qu'on avait abordé l'autre fois. J'appelle le service qui me donne service.findAll, c'est le service qui me donne l'ensemble des profils que j'ai dans ma base de données. Et le type de retour, c'est une liste de profils. Voilà, profiles. Ok, liste de quoi? Des profils. J'importe le profil depuis le package model. Et voilà le type. Maintenant, si je dis, si je trouve que le profil, bien sûr, là, je parle de la profile. Ok, j'ai trouvé la liste des profils et les vides. C'est les vides. Donc, qu'est-ce que j'en dis? Je dis que il n'y a aucune ressource correspondant à votre path. Il n'y a aucune ressource correspondant à votre path. Ok. Alors par rapport à cette méthode, je rajoute que path, par exemple all slash all. Voilà, maintenant pour accéder à cette méthode, l'utilisateur doit procéder par une URL HTTP et l'URL devrait obligatoirement contenir slash profiles pour dire que c'est une ressource liée à cette classe et slash all pour dire qu'on fait appel à cette méthode et que bien sûr l'appel à cette URL devrait être selon la méthode get. Autrement dit, le path et la méthode, les deux à la fois, qui vont identifier quelle est la méthode qu'on va appeler. Ok, méthode, il est public. Et là, la réponse, response. Response. Status. Ok, comment aider le status? Status. Voilà. Status, et là vous aurez une énumération status prédéfinie. Et là dans Jax RS point not found, sur ressource not found, not found, et là voilà point width. Ok, elle sinon dans ce cas on dit c'est ok response point ok, là c'est ok point width. Et là maintenant la méthode il va retourner return script build, il retourne une response, et aussi là build il va retourner une réponse, vous la voyez ici, une réponse. La méthode build il retourne une réponse, ma méthode il retourne une réponse. Très bien. Maintenant, cette méthode, pour pouvoir accéder à cette méthode, il est obligatoire que dans votre URL, vous spécifiez slash all. Et votre méthode, qu'est-ce qu'il prend? Qu'est-ce qu'il attend de vous? Donc là, vous dites que il va consommer un fichier XML, un fichier. Donc là, on va le voir tout à l'heure, parce que lorsque je fais get all profiles, je ne spécifie rien. Je ne spécifie rien. C'est pour ça la méthode, il n'attend pas de moi rien. Et c'est la raison pour laquelle je n'aurai pas conscience. Mais par contre, moi, j'attends de cette méthode qu'il me donne la liste des profils, all profiles. Maintenant, je vais lui dire la liste, vous voulez qu'il soit présenté selon quel format. Et là, je dis produce. Là, on va produire la réponse, alors la liste devrait être d'une façon automatique transformée en media type. Là vous voyez le media type, il est là, c'est une classe, c'est prédéfini dans RS point JSON par exemple, JSON application JSON. Voilà, donc là j'ai utilisé pratiquement trois annotations, comme si je dis les clients vont accéder à travers la méthode HTTP GET. Pour qu'ils puissent accéder, doivent obligatoirement utiliser le slash all, et que la réponse qu'on va leur fournir, c'est une réponse
Hein, c'est une réponse, ce format JSON. Comme si là on est en train de parler avec le client, avec celui qui va appeler cette méthode. Je lui dis, il faut utiliser la méthode get, il faut aller à utiliser le slash all, et puis il faut s'attendre à un format JSON. Voilà donc une petite méthode dans laquelle on va essayer de consommer la ressource profil, l'ensemble des, ça c'est une ressource, l'ensemble des profils c'est une ressource par rapport dans le sens de reste. Très très bien. Voilà donc ma méthode. Il faut que cette méthode soit enregistrée. Il faut que cette méthode soit enregistrée. Et nous, dans REST, on utilise REST-ISE. On peut procéder par une technique qu'on va mettre ici, new. On va créer ici une classe par rapport à l'ensemble des services qu'on propose. Une classe, moi je vais la créer. Une classe, je vais l'appeler services. REST ressources. L'ensemble des ressources. REST. OK, ressources, REST ressources. Et cette classe devrait être, pour qu'il soit reconnu automatiquement par JBoss, il devrait être une classe video application. Application aussi, elle est dans RS. Elle est dans RS, application. Voilà, application, toujours en RS Core, RS Core. Okay. Et cette application-là, il s'attend à l'ensemble des ressources que vous proposez, soit logées dans une collection de type 7. Une collection de type 7, vous la voyez ici. Et cette collection, voilà, sera accessible à travers la méthode get. Donc là, je déclare ici l'endroit dans lequel je vais stocker les ressources. C'est une collection des objets, puisque ça peut être profile resource, ça peut être user resources. Donc là, c'est une singleton. Singleton. Et faites attention, ça devrait être singleton. Object. OK, new H7. 7 point virgule. Et là, je mets objects. Voilà. Private. Après, je génère les getters et les setters. Voilà, par rapport à singleton. Et dans le constructeur de la classe REST Resources, là je dis que j'ai une ressource que je viens de créer. Il s'appelle Profile Resources. Voilà, c'est à ce moment-là, votre classe Resources sera instanciée. RS Ressources égale Profile. Et puis je prends la collection singleton et je rajoute à cette collection je rajoute ma ressource par rapport à profile. Si j'avais user, je mettrais user. Si j'avais plusieurs ressources, c'est là où je devrais les mettre dans ce singleton. Autrement dit, l'ensemble des ressources que je propose à l'extérieur seront logées dans une collection de type 7. J'ai appelé singleton. Le nom singleton, obligatoirement, je dois le respecter, puisque cette méthode, c'est pas une nouvelle méthode, mais c'est une redéfinition. Override. Là, vous aurez, override. Il existe déjà dans application. S'il n'existe pas dans ici, voyons voir. Si j'enlève le lien d'héritage, là, j'aurai une erreur. Il me dit que la méthode get singleton n'existe pas dans la récence d'héritage. OK. Voilà donc, c'est bien fait. Donc j'ai créé la ressource, le provide resource. J'ai dit que ça serait la méthode get, sera accessible par slash all, et ça serait un format JSON qui va me fournir. Maintenant, je dois faire la configuration. Quand est-ce qu'on va charger? Quel est le contrôleur principal qui va attendre les requêtes, puisque même l'ensemble des paths qu'on va utiliser doivent être interceptés par un seul contrôleur.
Ce qui veut dire aussi que là, vous, encore une fois, vous aurez le MVC. Vous aurez le MVC. Ok, donc ici, maintenant, je rajoute. Il y a un contexte parable qu'on va rajouter tout à l'heure. Voilà. Et on aura notre servlet. Commençons par notre servlet. Servlet. Là. Et ma servlet maintenant. Après, j'aurai le servlet classe et j'aurai l'URL pattern. Admettons que c'est slash rest mon URL et que ma servlet c'est rest is rest rest as a rest. Servlet. Et la classe que j'ai, c'est HTTP, servlet dispatcher. Dispatcher, pardon, dispatcher servlet. Voilà, dispatcher. Ok, on va la chercher dans les jars, pas peu de temps. Alors, servlet. Boss un serveur point servlet, voilà, je vois ici HTTP servlet dispatcher, c'est celle-là HTTP servlet dispatcher, je la prends bien entendu en respectant en respectant le package complet. Voilà, cette classe il se base sur un paramètre init param. Dans init param, toujours le init param, vous aurez le param name, et là vous aurez le param value. Alors cette classe, c'est elle qui va faire l'enregistrement de vos ressources. C'est pour ça, et vous devrez savoir qui sont les ressources à enregistrer. Ce sont les ressources à enregistrer, et les ressources à enregistrer sont déjà créées dans une classe qu'on a appelée REST Resources, si vous vous rappelez, cette classe. C'est pour ça que je dois donner à ce contrôleur principal cette classe pour pouvoir l'instancier. Une fois il a instancié, il va instancier implicitement l'ensemble des ressources que je propose. Alors le paramètre est là, un name fichier, il faut faire attention. Donc le name du paramètre, c'est exactement ça. Mais sans corps, il n'y a pas le corps. Ok, il a le parent value, donc je donne le rest resources. Voilà, je prends le package hot.services. Voilà, point, le nom de la classe. Resources. Voilà. Très bien. Maintenant, si j'utilise ici le étoile, c'est bon, cette configuration elle est largement suffisante.
Par contre, si vous changez, vous rajoutez un préfixe, ça c'est un préfixe qui précède l'ensemble des URL REST que vous proposez, il faut le spécifier ici, puisqu'on va chercher ce préfixe dans le contexte param. Okay, donc contexte param name et param name et aussi param value. Alors dans param value on va spécifier le slash rest, c'est ça rest, et le préfixe sera cherché dans dans une property name. Je prends son name automatiquement pour perdre du temps. Voilà donc son name. Ok, et the rest, voilà, très bien, c'est bon. Donc c'est ma configuration maintenant, il est correctement fait. Et il est bien fait. Hein. Donc je configure le contrôleur principal qui va enregistrer les services. Pour enregistrer les services, il devrait savoir la classe qui fait cette opération, qu'on a appelé REST Resources. Hein, je me suis trompé ici dans Resources. Voilà, dans la configuration, je corrige les choses. Très bien. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, on va déjà commencer à tester notre ressource qu'on va consommer en mode get et à travers cette URL. Donc, je lance là, je vais enlever ça pour qu'il soit propre. Delete. Je lance first rest mon projet. Je m'intéresse pas maintenant à la partie présentation, je m'intéresse à la partie service. Voilà, next, next. Ok, il est en train de démarrer. On lance la console pour voir s'il y a un problème ou pas. Voilà, donc Gboss démarre. Ok, apparemment il n'y a pas de problème. Voilà, il est déployé. Très bien. Donc il est déployé, donc je tente. On a dit que REST pour provoquer le contrôleur principal HTTP Servlet Dispatcher. Et puis Profiles. Profiles pour aller à la ressource Profile. Et puis All pour aller à la méthode. Et par défaut, l'URL c'est en mode GET. Donc là, si je tape cette URL, je serai en mode GET. D'accord ? Cette URL, c'est là, c'est toujours en GET. Et en plus, j'ai GET et j'ai le PATH. Donc j'ai la méthode et le PATH, les deux. Ça veut dire que je vais me positionner automatiquement dans cette méthode, puisqu'il est GET et le slash all. Il est en GET et il est précédé par le slash all. Je lance. Là, il nous dit Profiles. Donc je vais voir l'URL qu'on a. Okay. Pause. Alors on a dit que slash profil permet de rentrer à cette ressource, slash all permet à rentrer à cette méthode selon la méthode HTTP get. Non, j'ai corrigé ici, on a oublié de mettre profil. C'est comme vous voyez ici, profil, dans la méthode profil, profil c'est une liste. Et que nous on dit que on va produire un format JSON. Donc si vous faites cette écriture, automatiquement la liste profil sera transmise en JSON. Et puis aussi dans le mapping, je ferme, dans le mapping ici, il faut rajouter un slash étoile. On l'avait oublié tout à l'heure. Donc je refais le test maintenant. Je lance. Voilà, run on server, j'ai lancé. Donc, il faut savoir que pour accéder obligatoirement je dois avoir slash profil slash profil slash all.
Voilà, il est déployé. Donc reste pour provoquer le contrôleur principal. Profil pour entrer à la classe profil resources et puis slash all. Et je lance. Donc je vois que il m'a renvoyé. Il m'a envoyé quelque chose. On va le voir. Donc voyons voir. C'est la liste des profils que j'ai au niveau de la base. Et que la liste elle est ce format JSON, ça c'est important, c'est automatique par rapport au développeur, et il n'implémente rien pour avoir le format JSON. Ok, je peux prendre pour tester les services REST que vous avez implémentés. Vous pouvez rajouter une extension Chrome, Restlet client. Vous allez la chercher dans Chrome, vous allez la voir, vous allez l'installer. Une fois c'est installé, il vous donnera cette interface dans laquelle vous allez essayer. Donc là, j'ai l'URL, le path, et là, j'ai les méthodes. Ok. Alors, on a dit REST, on a dit profile, il n'est pas déjà. La méthode c'est get et j'envoie à mon serveur. Donc en voyant à mon serveur maintenant, on peut voir le va-et-vient HTTP. Alors la requête elle est là, HTTP, dans le header on a ça, puisque c'est get, donc get on envoie le header, et vous voyez donc ce qu'on reçoit, la réponse, le status et le body. Ici vous voyez c'est le format JSON. Donc voilà un premier appel, un premier service REST qu'on a développé. Dans la prochaine vidéo, nous allons aborder les autres méthodes, à savoir la méthode get, voilà, la méthode post, pardon, put et delete.